Je me conditionne. Voilà, je me fais beau aussi, c'est important, hein. Si t'es pas BG pour tes vidéos YouTube, les gens ils se désabonnent. Ses cheveux, c'est n'importe quoi, hein. Faut que j'aille chez le coiffeur. Oh, y a rien qui va. Y a rien qui va. Attendez, parce que il faut le temps que j'arrive à me coiffer. Rien que ça va prendre une demi-heure. Non, mais c'est nimp. Pas grave, allez. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était en fait un live. Et cette vidéo va consister du coup à vous qui regardez les gens qui sont venus sur le live pour voter pour leur personnage préféré de My Hero Academia. Vous pouvez déjà me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de My Hero Academia et si vous êtes d'accord avec les votes qui ont eu lieu dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est parti pour votre réaction à ce magnifique live auquel il fallait venir. Si jamais vous voulez assister aux futurs lives qui auront lieu sur la chaîne et éventuellement participer, puisque je fais des lives quand même qui sont assez participatifs avec mes abonnés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, lien dans la description. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, il y a les persos jusqu'au chapitre combien? Il n'y a pas des persos spoilers, il n'y a que des persos que vous connaissez déjà. Si c'est la question qu'on m'a posée. Donc pour rappel des règles, vous devrez écrire 1 pour l'option qui est à gauche, ou 2 pour l'option qui est à droite. Et d'ailleurs le premier duel c'est Denki contre Mina, ça va être assez serré. C'est parti, c'est le premier donc c'est un peu un tour de chauve j'ai envie de vous dire. Fin des votes, c'est donc Denki qui a gagné. Battle suivante, All Might contre Present Mike. C'est parti, 30 secondes. 1-1-1-1-1-1-1. Ah c'est pas du jeu hein, pauvre Present Mike qui va se faire sortir dès le départ. Fin des votes, donc c'est All Might qui a gagné. Vous avez le choix entre Nana Shimura et Ochako Battle des Waifus. Qui va gagner, Nana Shimura ou Ochako? Celui-là j'avoue il est serré. À la fin des votes, c'est Ochako qui passe du coup. Et Nana Shimura qui malheureusement trépasse. Qui de Mineta ou de Midnight? Let's go. Ok, fin des votes, c'est Midnight qui a gagné. Attention, Toga Mirio, une minute, c'est parti. Tintin. Oui, bah j'ai écrit Tintin, je trouvais ça drôle. Mais pourquoi Tintin pour Mirio? Non mais, la question se pose pas, vraiment. Genre, Mario le plus badass. Mirio, tu veux dire. Fin des votes, c'est Mirio qui gagne. Je vais vous laisser ça, comme ça vous voyez les secondes. Shinzo 1, Momo 2. Et c'est fini. Victoire de Shinzo avec 76%. 76%. Tenya contre le père d'Izuku. C'est parti. Ouais, d'accord. Là, je pense que c'est... c'est Dabi Supremacy, hein. Le père d'Izuku, what? Non, mais c'est une vanne par rapport à ma chaîne YouTube. 86% des votes ont voté Dabi. 5 pour Tenya seulement. C'est terrible. 29 votes Dabi, 5 pour Tenya. Aizawa contre Naito Monoma. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, tu sais compter jusqu'à 10. Ça fait partie de mes compétences. Tu peux pas être youtubeur si tu sais pas compter jusqu'à 10. Faut le savoir. 94% pour Aizawa. C'est une dictature. Ah oui, non mais c'est une dictature hein, ici. Allez, combat suivant. Endeavor contre Hawks, c'est parti. Celui-là, il est chaud quand même. Celui-là, il est très très chaud. Avec Endeavor, oui, c'est chaud. Ah, lol, qu'est-ce qu'on se marre. Envoyez un ou deux par SMS au 6-14-14. Je déconne. Endeavor a gagné à 55%, 3 votes de plus. 3 votes de plus seulement. Et on passe au vote suivant. Izuku contre Tsuyu. Ok, Izuku Supremacy, 30 contre 5. Il y a quand même 5 personnes qui ont voté Tsuyu face à Izuku. Ok, Izuku passe au tour suivant. Best Genist contre Shoto. Bref, votez pour votre préféré. C'est Shoto qui gagne avec 86% des votes. Suivant. Muscular contre Bakugout. Ok, 90% pour Bakugout. Il passe au tour suivant. Muscular, ça dégage. Shigaraki contre Fatogomu. Et c'est Shigaraki qui gagne avec 79% des votes. 26 contre 7. Il y a même eu 7 personnes qui ont voté Fat Gum. Hein. Mirko contre Twice. Let's go. Twice Supremacy. Ah, celui-là, il va être chaud. Hein. Celui-là, il va être tendu. Fin des votes. C'est une égalité parfaite. C'est moi qui vais devoir choisir. Allez, essayez de me convaincre. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin de vos messages. Allez-y. Comme dirait Goku, donnez-moi votre énergie. En levant les bras au ciel. Twice, sinon je ne te fais pas le montage. Ah, t'as un point. Mirko, c'est une héroïne. Ouais, mais c'est pas parce que c'est une héroïne qu'elle est forcément mieux que l'autre.
Mirko, Carlis, Scan. Ouais, mais Twice, Carlis, Scan. Hein. Entre un lapin et Naruto. Twice, c'est un dépressif. Ok, je vote Twice. Kirishima contre Fumikage, c'est parti. Et c'est donc Kirishima qui passe. Fumikage sort au premier tour. Kirishima passe à 4 votes près. Stain contre All for One. C'est parti, c'est parti. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Quoi ? Attendez, il y a vraiment des gens qui préfèrent Stain ? Je suis désolé, hein, là, franchement, vous trollez. Mais d'où Stain ? Mais t'es fou. All for One, trop de flow, mais All for One de loin. Si c'est égalité, j'aurai aucune pitié à voter All for One, hein, sachez-le. Ok, All for One gagne. C'était chaud quand même, 65% des votes. C'était quand même un peu serré, on va pas se mentir. Ok, round 2. Donc des personnages qu'on a déjà vus, Denki contre Orumaito. C'est parti. Bon, je me fais pas trop de soucis pour celui-là. Et c'est fini. C'est donc Orumaito et sa suprématie, 92% des votes. Ochako contre Midnight, second duel de waifu pour Ochako. C'est parti. Et c'est Ochako qui gagne. 89% des votes pour Ochako quand même, c'est énorme. 32 contre 4. Shinzo contre Tintin, notre Tintin national, Mirio. Ne faites pas la bêtise. S'il vous plaît, les Mirio sexuels, ne votez pas pour Mirio en masse. Non, Shinzo. Mirio, c'est la femme de ménage de Yui. Elle est pas mal, celle-là. Shinzo a une calvitie. Mais il a pas de calvitie, il a un grand front, c'est tout. Et c'est fini. C'est Mirio qui passe. À mon grand désarroi. J'ai envie de crever. Je préférais Shinzo, mais c'est pas grave, hein, c'est vous qui votez. Plus on va avancer, plus les votes, ils vont être chauds, chauds, sa mère. Dabi contre Aizawa. Aizawa l'a fumé au camp d'été. Ouais, mais c'est pas forcément un tournoi du plus fort, c'est un tournoi de ce que vous préférez. Peu importe le critère finalement. Elle est d'habit sexuel là dehors. Et c'est Aizawa qui passe avec 76% des voix. J'aurais voté aussi pour Aizawa en vrai, je pense. Izuku contre Endeavor. Allez, let's go. Ah, les vrais, vous êtes où? Mais qui peut voter? Mais pourquoi il y en a qui votent Endeavor? Mais vous êtes des malades. Izuku, s'il vous plaît. Izuku, putain. Le goth ou le goth? On a deux goths l'un en face de l'autre. Là, c'est terrible. Hein. Ciao, les Endeavor sexuels. Toujours les mêmes vannes. Shinzo a une calvasse. Ah, t'as fait un sondage. Attends, c'était quoi les réponses? MHA, Shouoto, MHA, MHA, Shinzo a une calvasse. D'accord, c'est Shinzo a une calvasse qui a gagné, d'accord. C'est Izuku qui gagne le vote. 35 contre 5. Match suivant. Bakugo contre Shouoto. Le dernier scan compte, mais en fait, c'est selon vos goûts. Si vous avez lu les scans, prenez-les en compte. Si vous les avez pas lus, bah vous pouvez pas les prendre en compte, mais voilà quoi. Et c'est Bakugo qui l'emporte avec 10 votes de plus face à Shoto. 65% des votes. Saliste, t'as un discours? Un discours pour... Ah, t'as un Discord? Ah, c'est la question. Ah, je suis bête, c'est rien. TKT. Gax t'a envoyé le lien. Attention, suspense. Shigaraki contre Twice. Let's go. Le lait, mais... Ça, c'est Kipa qui fait des sondages ou c'est Gax? Avant les céréales, après les céréales, sans l'écart myriosexuel, d'accord. Le lait, par contre, c'est après les céréales. Bref. Et le laisser après les céréales, effectivement. Il est vrai. Et c'est fini. C'est Shigaraki qui l'emporte. 31 contre 9. 78% des voix. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Comme a dit un grand homme. On passe au match suivant. All for One contre Kirishima. C'est parti. Au revoir, la vache Kiri. Ah, Kirishima, la vache Kiri. Ok, d'accord. Votre modo pref. Oula. Gax, Lo, Kifa, le dictateur. Le dictateur, c'est Wam. Faites gaffe à ce que vous votez. Attention, All for One a gagné avec 65% des votes. Donc 25 pour All for One, 14 pour Kirishima. 14 pour Kirishima ? Vous êtes des malades mentaux. Vraiment, vous êtes des malades mentaux. Ochako contre Orumaito. C'est parti, Best Girl contre le Malabar. Et n'oubliez pas de voter pour moi dans le sondage de Gax qui est en haut du chat. Donc on coche le dictateur et on fait vote, bien sûr. Il y a eu un vote pour l'eau. Oh la peau. Qu'est-ce que t'es marrant, Gax? Qui te dit que c'est moi qui ai mis le sondage? Non, mais ça m'étonnerait pas que ce soit Kifa. All Might qui gagne, à mon grand désarroi, 58% des votes. C'était serré, hein, 58% des votes. Ochako sort de ce tournoi. J'ai envie de pleurer. Tintin contre Aizawa. Let's go. Qui de Mirio ou de Aizawa est votre personnage préféré? Ah, le dictateur a gagné. Bah oui, bien sûr, tout le temps. Il y en a qui préfèrent Mirio à Aizawa? Non, mais franchement, vous me dépassez, hein. Vous me dépassez, vraiment. Un magnifique... papillon. Ouh. C'était dur, mais Aizawa est passé à un vote près. C'est parti pour Bakudeku. Qui de Bakugo ou de Deku est votre personnage préféré? Izuku a gagné à 30 contre 8, 80% quasiment.
Bon, c'est une dictature, hein. Vraiment, il fallait s'y attendre. Izuku passe et Bakugo sort du tournoi. All for One contre Shigaraki, c'est parti. C'est quoi ce duel? Il y a du challenge au moins. All for One contre le petit aux mains dégueu. Bon, je pense que Shigaraki va gagner au vu de ce que j'ai vu dans le chat, mais bon, n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Et c'est Shigaraki qui l'emporte, 30 contre 11 quand même. Donc Shigaraki gagne, Shigara Goat a battu All for One. C'est terrible, je supprime mon sub. C'est pas moi qui choisis, hein, tu sais. All Might contre Aizawa, la battle des papas, c'est parti. Ça va finir, All Might versus Izuku. Je n'en serais pas si sûr si j'étais toi. Aizawa, s'il te plaît, gagne, j'en peux plus de se retraiter. C'est All Might qui gagne. Ils avaient quand même été 14 à vouloir que Aizawa passe, mais ça n'aura pas suffi. Ils ont été plus nombreux de l'autre côté. Izuku contre Shigaraki. Ce ne sera pas la finale, du coup. Des coups sexuels forever. Et c'est Izuku qui l'emporte, 32 contre 11. Et on arrive au dernier match. Vous savez très bien de quel match il s'agit. Izuku contre All Might. Et c'est Izuku qui l'emporte. Izuku est donc le grand gagnant de ce tournoi. Et on a ici du coup le récapitulatif. Voilà, c'était tout pour ce magnifique live où Izuku du coup a gagné la battle des personnages de My Hero Academia selon le chat. Si vous voulez participer à ce genre d'événement, il faut être présent sur Twitch et venir me follow, vous avez le lien en description. Si vous cliquez sur follow, c'est totalement gratuit et vous aurez une notification à chaque fois que je stream pour ne rater aucun live. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch, tous les liens sont en description. Il y a également le Discord de la communauté pour discuter avec les abonnés, et un grand merci à Gax pour le montage de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire merci Gax pour le montage. Et voilà, ça fait plaisir, c'était sa liste, et je vous dis à la prochaine pour un prochain live et une prochaine vidéo. Salut.